Les structures de contrôle en programmation. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Est-ce que je peux enlever mes oreilles de lapin? Non, débrouille-toi. Mais comment t'as fait? Aujourd'hui, on va un petit peu parler des structures de contrôle en programmation. Je comprends pas. Déjà, tu m'embêtes et en plus, tu utilises des mots compliqués. Pour comprendre, il faut d'abord savoir comment fonctionne un programme. Un programme est une suite d'instructions qui sont exécutées les unes après les autres. D'ailleurs, moi-même, j'exécute des milliards d'instructions par seconde. Faisons un programme imaginaire. Ma première instruction sera « efface écran ». Ma deuxième instruction sera « écrit bonjour monde ». La troisième instruction sera « variable A reçoit la valeur 10 ». Ensuite, « variable B reçoit 15 ». Puis variable C reçoit A plus B. Et enfin, affiche C. Maintenant, exécutons ce programme. Bonjour, monde 25. Bon alors, on peut rajouter des millions d'instructions comme ça à la suite, mais ça n'aurait pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de rajouter des structures de contrôle. Mais c'est quoi ces structures de contrôle dont tu n'arrêtes pas de parler? Ce sont des instructions spéciales qui vont modifier l'ordre d'exécution des instructions. Ouh, je sens que ça va être le bordel. La première structure de contrôle est la plus simple. C'est le si. Elle s'écrit de la manière suivante. Si, condition vraie, alors instruction 1, sinon instruction 2. Mais condition vraie, ça veut dire quoi? À cet endroit-là, le programmeur met une condition qui va être évaluée par toi, la machine. Trop fort! Si la condition est vraie, alors c'est l'instruction 1 qui sera exécutée. Sinon, ce sera l'instruction 2. Bon, allez, vas-y, fais péter l'exemple. Ok. Efface écran, affiche quel est votre âge, demande âge. Alors, cette instruction demande à l'utilisateur de taper un nombre sur le clavier qui sera ensuite rangé dans la variable nommée âge. Ensuite, si âge supérieur à 18, alors affiche, vous avez atteint la majorité civile. Sinon, affiche, vous êtes encore mineur. Ah ouais, je l'ai l'exemple, c'est très utilisé dans les sites de prod, ça, non? Exécutons ce programme. Quel est votre âge? 34. Ok, je mets 34 dans la variable âge. Maintenant, j'évalue la condition âge supérieur à 18. C'est vrai. Donc, je dois afficher, vous avez atteint la majorité civile. Une dernière précision. Dans la condition du si, on peut mettre des choses très complexes en utilisant la logique binaire. Par exemple, si énergie égale 0 et vie égale 0, alors game over. Ou encore, si nombre de combats remportés est un nombre premier et nombre de combats remportés est supérieur à 300, alors ouvrir la salle cachée. Ah, c'est donc ça les structures de contrôle, c'est pratique. Oui, mais il y en a d'autres, notamment les boucles qui permettent de faire ce qu'on appelle du traitement itératif. Mais on en parlera plus tard. Les données ont été traitées, sauvegarde en cours.